Salut à tous, j'espère que vous allez bien. 30 secondes. Coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis écoutée. J'ai tourné déjà deux fois une vidéo. En gros, je vous explique. Ce matin, je me lève, je me dis, ouais, je vais faire une vidéo de la matinée, de toute ma journée et tout. Je commence à faire ma vidéo. Je fais des crash tests de trucs et tout de chez Nocibé. Donc, je suis dégoûtée de pas vouloir garder là, cette partie-là. Donc voilà, et je me mets à travailler. Je remarque qu'en fait, il n'y a plus d'espace sur mon téléphone. Qu'est-ce que je fais? J'enlève, je supprime une des parties que j'ai mis. Je continue à filmer. Et là, ça m'annonce, tu n'as plus d'espace, tu dois recommencer ta vidéo. J'ai tout supprimé, du coup je recommence. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Ce matin, j'ai travaillé la matinée. J'ai fait mes cours la matinée. Voilà, et après, je travaille 3 heures pour YouTube. Je fais mon travail YouTube. Voilà, là je vais essayer de me maquiller, j'ai vu un challenge, en gros tu dois trouver des, enfin t'as un truc qui choisit des couleurs et tu fais ton visage avec. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais faire l'anti-cerne, les yeux, tout ça, mais par contre je ne fais pas le fond de teint et ni le bronzer. Je peux faire l'highlighter mais pas ni le fond de teint ni le bronzer pour la simple raison que j'ai pas envie de détruire non plus mon visage. Étant donné que je vais devoir aller manger comme ça, ben je me dis c'est un peu débile de ma part si je fais ça maintenant, mais je peux qu'elle arrive. Je vais voir. Là j'ai plein de produits, du coup je suis grave contente, donc je vais pouvoir les utiliser. J'ai mon beauty blender en gel, donc je vais utiliser mon beauty blender en gel parce qu'il se lave très rapidement, très facilement. Il faut juste que vous attendiez. Ah, que vous attendiez 30 secondes. Oh non, merde. Putain. Allez là! Je suis en train de me rendre compte qu'en fait je crois que j'ai plus mon but, enfin que mon beauty blender en gel il est pas là. Oh no, just my day. Becoming bigness the way I'm made of gas. Oh. Yep. Bon bah j'ai utilisé mon beauty blender normal hein, je crois qu'il est. Mais oh la merde. Et j'utiliserai pas mon nouveau beauty blender. C'est mort, c'est dead. Bah si je trouve pas mon beauty blender, j'appliquerai ça, je sais pas comment en fait. Oui. Je trouve pas cette merde. Oh mais j'ai des éponges, je suis bête, je vais utiliser des éponges. Bah ouais. Alors attendez, il faut que j'allume mon ordinateur. Mais par contre les éponges sont... C'est bon maman, elles viennent dire à table. Bah sinon je fais ça après manger, mais c'est pas très grave. Mais au moins que je trouve une application, ça peut changer quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Une roue des couleurs. Donc je vais juste noter sur internet roue couleur et ensuite je reviens après. Roue des couleurs ou un truc genre. J'espère trouver un meilleur beauty blender que ça. Imagine, je suis là en mode. J'ai vu ce challenge, c'était qui l'avait fait? C'était Sananas, elle l'avait fait. Et moi je me suis dit, ouais, c'est grave bien, ça a l'air trop bien, du coup je vais le faire. Bref, je vous retrouve après manger. Et oui, d'ailleurs, pour la petite info, je mange des pièdes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une recette italienne. Non, bah, je vais essayer de vous mettre une petite photo juste après. Ce petit extrait, si je n'ai pas mis de photo, vous allez sur internet, vous tapez piède. Vous allez tomber sur des piètes, c'est trop bon. C'est comme un peu des... Je sais pas comment dire. C'est genre de la pâte, genre des rondes pâtes. Vous mettez genre de la salade, du jambon cru, des trucs à l'intérieur. Vous refermez, c'est trop bon. Moi, c'est ma vie. C'est ma vie. Peut-être que je vous mettrai mon petit PV en barre d'infos, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, les gars, je vais pas trouver d'autres éponges. Je m'arrête à celle-là. Faut que je prenne mon truc de maquillage... c'est mon truc en fait de maquillage genre Halloween et tout. Mais j'en ai peut-être une autre, mais je pense pas qu'elle est là. J'ai pas encore cherché sur internet parce que je viens à peine de finir de manger. Je me suis toute brossée les dents tranquillou mimilou. J'étais dans la salle de bain, j'étais en mode. Du coup j'ai pas eu le temps de regarder en réalité si j'avais vraiment une autre éponge.
D'après ce que je vois là, en fait, c'est vraiment ma seule éponge. Ça, je suis dégoûtée parce que je l'avais acheté. Ça va avec des fausses dents. Et en fait, tu te mets la colle, tu te rentres les fausses dents. Et j'ai jamais pu l'utiliser. Et j'étais dégoûtée parce qu'en fait, j'ai eu mes bagues l'année où je l'ai acheté. Genre, je l'ai acheté. Et là, en novembre, genre, je me suis fait poser mes bagues. J'étais dégoûtée parce que je me suis fait poser mes bagues avant Halloween. Et j'étais pas au courant que j'allais me les faire poser à ce moment-là parce que, bah voilà. Je m'en rappelais plus. C'est quoi déjà roux? De couleur. Roux à couleur. Roux à couleur, je vais mettre plutôt ça. Roux à couleur. Mais je m'en fous que ce soit primaire, complémentaire, je sais pas. Roue de couleur. On vous dévoile tout. Assortie et choisissez les couleurs avec la roue chromatique. C'est nul parce que du coup, je pense que je ne vais pas pouvoir tourner ma roue. Bah sinon, on prend un cercle justement avec de la couleur. Je fais comme ça et bam, j'appuie à un endroit et ça me donne ma couleur. Sinon on fait ça, mais c'est bête. Roue de couleur, je peut-être que si je mets je, ça va me sortir plus. Roue des couleurs, tête à modeler. Ah, c'est peut-être que ça va être un jeu pédagogique, mais je sais pas ce que c'est. Mais je crois qu'en fait, ça nous apprend à faire une roue. Mais je veux pas faire une roue, putain de merde. Je veux une roue. Fabriquer une roue. Nanani, j'ai du ketchup basé. Roue des couleurs, inspiration, nanana. Roue des couleurs, s'il te plaît. Faites rapidement un choix lorsque. Et j'ai pas la suite. Parfait, on a la roue des couleurs, les gars! Je suis trop contente! Par contre, je sais pas du tout où il faut aller en fait pour faire tourner la roue du coup. C'est oui ou bien c'est non? Hier, tu me voulais. Si je fais ça et que je fais CTRL V par exemple, ça veut dire que ça va m'amener sur la roue? That's the question. Ok, du coup là les gars, on a plusieurs couleurs. On a déjà du effervescent, je sais pas pourquoi je dis effervescent, je suis con moi aussi. Ah, j'en veux plus de moi. Donc voilà, on a des trucs. Voilà, j'ai du bleu, j'ai du vert, j'ai du rouge. Bah, j'ai un peu toutes les couleurs en fait. Dis-moi quoi ça sert. Bah, je sais pas en fait comment on peut jouer à ce jeu donc. Je suis là en mode. Oh non! C'est bon, ça s'était mis! Je suis dégoûtée parce que ça s'était mis. Donc voilà, j'ai plein de couleurs. J'ai toutes ces couleurs là. J'ai des couleurs là. J'ai normalement des pots de crème, vous voyez au fond, orange, rouge, enfin, il y a plein de trucs, il y a même gris, gris, voilà, blanc. Il y a plein, plein, plein de trucs, on va pouvoir tout utiliser, il y a même du vert, mon gars, donc là, s'il n'y a pas de la couleur qu'on cherche, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, il faut juste que j'attende un petit moment, et au bout d'un moment, en fait, la roue, elle va apparaître. Je vais un peu attendre. En fait, il faut le temps que ça charge bien comme il faut et tout. Donc là, je vais attendre juste un petit moment et normalement, ça va charger. Donc, on va pouvoir utiliser beaucoup de couleurs. On va pouvoir utiliser plein de trucs. Comme je vous l'ai dit, je fais que les cernes, etc., etc. Parce que je ne veux pas utiliser trop de coton pour me démaquiller après. Du coup, sinon, ça va être compliqué un peu. Je viens d'avoir la roue de la couleur. Donc, on a bordeaux, orange. Ouais, bordeaux, ça va être compliqué. Orange, rose clair. Tu peux avancer. Tu fais quoi en fait? Donc,
J'ai dit, donc on a violet rose, bleu, bleu clair, bleu foncé, bleu vert, bordeaux, orange, rose clair, rose foncé, rose normal. Rose clair, on va dire rose poudré. Ça sera peut-être mieux. Rose foncé, rose normal, rose. Enfin, pardon, vert, vert clair, vert foncé, vert pâle, violet. Et puis voilà. Donc là, on va faire tourner bientôt la roue. Je sais pas comment on la fait tourner, par contre, les gars. Ah, ok, faut appuyer. Je vais essayer de vous montrer. Waouh, faut se calmer. Ok, les gars, faut que je vous montre. On ne triche pas. On va avoir de l'anticerne vert pâle. Mais j'ai pas de vert pâle. Parce que j'ai que du vert pâle fuchsia. Donc je me dis qu'en mettant du vert et que je mélange du vert avec du blanc, normalement ça devrait faire un truc assez bien. J'essaie de faire mes mélanges. Je sais pas du tout comment je vais faire mes mélanges parce que je n'ai aucune plaque pour mettre dessus mes couleurs et après les mélanger. D'ailleurs, je crois que j'ai encore de la peinture là d'il y a vachement longtemps parce que j'ai fait de la peinture il y a longtemps. Enfin, c'est pas de la peinture, peinture que vous croyez puisque sinon ça s'enlève très facilement. Mais bon, bref, on va prendre ce truc là. On va prendre l'intérieur ou l'extérieur, je sais pas. Plus l'intérieur parce que moi c'est pas grave. Et je viens mélanger du vert, donc ce vert là, c'est du vert de truc d'Halloween, donc voilà. Ce vert là avec un peu de blanc parce qu'on va devoir se faire de l'anticerne, les gars. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un avec de l'anticerne vert. Et c'est pareil, c'est sa nana, elle avait beaucoup de vert, de bleu, etc. etc. Au début, bah, c'était un. Elle a dit au début c'était Hulk et après c'est devenu un Schtroumpf. Écoute. Donc voilà, et là je viens utiliser. Alors pour le vert, j'ai utilisé celui-ci, le petit. Et pour le blanc, je viens utiliser celui-là. Il n'y a pas de marque en fait, parce que normalement c'est dans des paquets et c'est dans les paquets que les marques elles sont notées. Donc je suis désolée si malheureusement je ne vous donne pas les marques. Voilà. Il faut que je mélange avec un truc, du coup je vais mélanger avec un pinceau. J'ai pas de pinceau, je crois. Si, j'ai lui comme pinceau, donc on va mélanger avec ce pinceau-là à chaque fois. Donc on doit faire un vert pâle. Mais sauf que je suis en train de me rendre compte que ça va faire un vert clair, mais vert pâle, je sais plus ce que c'est. C'est quoi un vert pâle? Un vert pâle? Un vert d'eau? Donc c'est clair quoi. Très clair. Mais ça m'aide pas beaucoup. Ouais, mais je pense savoir. Je pense que je suis bientôt à la bonne couleur là. Là, j'ai rajouté un tout petit peu plus de blanc et ça, je suis sûre qu'on est sur la bonne voie. En plus, le pire, c'est qu'ils n'ont pas mis les couleurs avec ce qu'il fallait. Donc, je trouve ça un peu nul. Enfin, bon, après, sa nana, elle avait une application, je crois, de couleurs. Elle n'allait pas aller chercher sur Internet en mode, donnez-moi du vert. Je crois que ça donne ça. Je crois que c'est bon ça. Je trouve que c'est bien comme couleur. Bref. Commençons. Je suis en train de m'éclater les yeux en fait, je suis en train de me rendre compte actuellement que je suis en train de me faire mal aux yeux. Love quiet. Ok, mais j'ai un bug de chaise là, donc on va venir reprendre de la matière, on vient tapoter. Je crois que c'est ça. Je crois que je suis à peu près convaincue que c'est cette couleur. Bah après, le truc, c'est que j'ai un peu une éponge un peu nulle. Donc, comment vous expliquer que c'est hyper compliqué d'appliquer celui-là. Et j'ai pas trop envie d'utiliser mes pinceaux. Du coup, je vais utiliser vraiment les pinceaux pourris de ma palette, des palettes comme ça, parce que j'ai pas envie d'utiliser mes beaux pinceaux à moi, parce que je me dis genre ça, enfin je vais les utiliser pour rien alors que je les ai lavés à peine hier. Voilà quoi, je lavais mes pinceaux hier et je vais devoir les utiliser et c'est mort. Ouais. Je mettrai pas non plus la poudre parce que bon, je joue pas le challenge à fond, mais vu qu'on est en confinement et que je me dis j'ai pas beaucoup d'eau micellaire, j'ai pas beaucoup de coton, j'ai pas forcément envie de tout utiliser mes cotons pour démaquiller toute ma gueule, alors je préfère quand même qu'il y ait certains endroits
Parce que du coup j'aurais que le haut des joues parce que j'aurais aussi l'highlighter et le blush. Puis c'est tout quoi. Alors, je vais jouer le jeu à fond. Du coup, je vais quand même demander ma base à paupières, en quelle couleur je la fais. Normalement, moi, je mets la même couleur que mon fond de teint. Enfin, que, pardon, que je dis que mon fond de teint, mais je mets pas de fond de teint, donc non. Que l'anti-cerne. Donc, normalement, je mets la même couleur que l'anti-cerne. Je mets mon anti-cerne, en fait, sur mes yeux aussi comme base. Sauf qu'on va jouer le jeu à fond. Je suis en train de faire un carnage sur mes yeux. Et vu qu'on va jouer le jeu à fond, je vais quand même demander comment je la fais. Voilà. J'ai fini. Finito, finidas. C'est une horreur, parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas terminé. Maintenant, on va venir appliquer sur les zones que je vais venir mettre aussi d'habitude. Donc, j'en mets tout le temps vers le nez. Ok. J'en mets vers le menton, je fais un trait comme ça. Okay. Et je viens faire une espèce de fleur sur mon front. Vous voyez, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'est tout. Et je n'éteindrai pas parce que d'habitude, en fait, des fois, je remplace un fond de teint par mon anti-cerne. Et puis des fois, c'est quand j'ai envie de m'éclater. Mais sinon, tous les jours, je ne mets que comme ça et je ne mets pas plus. Par contre, là, pour dire que ça va camoufler, hein. Ah bah là, nos imperfections, si elles sont pas camouflées, je comprends pas. Ça camoufle bah, très très bien déjà. Par contre, c'est en train de me saouler parce que... Oh, mais si, est-ce que je peux faire ça? Regardez. Mais j'ai eu la technique de ouf. Vous n'avez pas de beauty blender, vous avez qu'une mini éponge. Vous prenez une pince à linge, vous accrochez la mini éponge. I'm the best, I'm a loser. Donc je vais venir mettre le bout et hop, je viens utiliser ça comme un beauty blender. J'ai eu une idée de génie, mon gars. Voilà. Hop là, et on vient dessiner, du coup on vient faire notre fleur. Ça me fait extrêmement flipper parce que je suis en train de me rendre compte, en train de me dire, mais en fait quand je vais me démaquiller, je vais en avoir de partout. Donc d'une façon ou d'une autre, je vais démaquiller tout mon visage. Enfin, je sais pas, genre. Bon, à certains moments aussi, je vais venir prendre un coton pour faire du beauty blender parce que du coup, c'est. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à certains moments, à certains endroits. Après, c'est pas une vraie éponge, donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais. Voilà à peu près ce que je fais, ma petite fleur. Après, j'ai un peu repassé là, parce que du coup, là, il n'y en a pas beaucoup. Et des fois, je vais en mettre aussi un peu sur le nez. Là, les gens sont en train de dire, en fait, tu t'éclates et du coup, tu vas en mettre finalement partout. Tu veux te faire ton fond de teint carrément avec ça et tout. Mais pas du tout. Non, c'est juste que je fais le jeu à fond. Et du coup, bah, souvent, je fais ça avec mon beauty blender. Des fois, je vais en remettre un peu sur le bout de mon nez. Donc, je fais ça au maximum. Maintenant, on va demander... Du coup, j'ai dit je fais pas la poudre. Du coup, je vous l'ai dit, hein, je fais pas la poudre parce que ce serait trop et j'ai pas envie de réutiliser ma pince. Donc voilà. Là, on va faire, je pense, de la base à paupières. Je pense que la base à paupières, ça peut être un bon truc. Donc c'est parti. Je viendrai le chercher. Ok, c'est parti. Je fais la base à paupières et après les gars et après c'est tout. Vert clair, les gars, je vous prouve, c'est marqué vert clair. Mais je suis en train de me dire, vert clair là c'est déjà clair. Du coup il faut que je rééclaircisse encore. Bon, il faut que je rééclaircisse. Bref, je vais finir mon make-up, je vous reprends à la fin du make-up complet. Ça va être un truc de malade, ça va être trop marrant. Mais c'est le challenge. Bon les gars, j'ai terminé. Alors, faut déjà prendre ça, c'est une caricature. Déjà, vous voyez mon menton, je suis sûre que vous êtes tous en train de flipper. Faut prendre ça d'une façon que c'est une caricature, donc ce n'est pas. J'ai vraiment pas essayé de faire quelque chose de beau. Je voulais justement que ça donne quelque chose de moche.
Je referai peut-être ce challenge un jour, mais vraiment quand même, déjà quand mes pinceaux seront plus sales, en fait. Donc là, c'est. Un appel noisette. Appel noisette de quoi? Elle est sur le toit. Tu vas mourir là? Ferme ma chambre, s'il te plaît. Donc voilà, je vais me démaquiller là complètement. C'était mon petit dégueule. Ça se trouve, il va y avoir ça en miniature. Oh non! Là, je viens de finir de me démaquiller. J'ai mis pas très longtemps en fait à me démaquiller. Du coup, en vrai, j'étais contente parce que je me suis dit, ouais, bah au final, c'est quand même des trucs qui tiennent pas très bien. Donc, j'ai pu me démaquiller en 30 secondes à peu près. Donc, c'était très 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 cool. C'est très facile. Et du coup, là, je vais juste prendre la crème de chez Yves Rocher, qui est une crème que je teste en ce moment. Je fais des crash tests en ce moment sur plusieurs crèmes. Et actuellement, donc, je suis en crash test sur la crème de Nocibé. J'ai fait des crash tests sur celle de Yves Rocher. Elle était super. Pour ceux qui veulent savoir, la Yves Rocher, laquelle c'est la Hydra Végétale. C'est la bleue en fait, que j'aime beaucoup, que j'aime énormément même, que j'utilise presque tout le temps. Bon, là actuellement, c'est ma soeur qui l'a, d'ailleurs, faut que j'aille la récupérer parce que elle l'utilise pas en fait. Je lui avais prêté pour qu'elle la teste et au final, elle a arrêté de l'utiliser. Donc, faut que j'aille la récupérer, mais j'ai pas trop trop eu le temps en ce moment d'aller la récupérer. Je suis en train de péter un câble avec mon panneau d'affichage en fait qui ne veut pas se remettre comme avant. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je viens de trouver la solution. J'ai à peu près réussi à la remettre à plat. Donc voilà, donc là je vais prendre la crème. Donc c'est la Aqua Focus. Je l'ai testée ce matin. Donc du coup là je vais la tester pendant à peu près une semaine. Pendant à peu près une semaine, je vais tester cette petite crème et je vais voir les bienfaits, ce qui est bien dans cette crème. Déjà ce que j'aime bien c'est la texture parce qu'elle a exactement la même texture que celle de Yves Rocher. Elle a exactement la même odeur que celle d'Yves Rocher. Au niveau de l'application, bah, elle est aussi facile à appliquer que celle d'Yves Rocher. Donc, je me dis, ça se trouve en fait, c'est la crème, c'est un copier-coller de celle d'Yves Rocher. Donc, si s'avère que bah, ça ne change rien de celle d'Yves Rocher, je ne m'éclaterai pas à l'acheter en tout cas, parce que j'ai celle d'Yves Rocher déjà que j'ai. Après, peut-être qu'à la fin de celle d'Yves Rocher, j'achèterai la Nocibé, je verrai laquelle est la plus chère et j'achèterai la moins chère. Voilà. Par exemple, si celle d'Yves Rocher est plus chère que celle de Nocibé, j'achèterai celle de Nocibé, quoi. Enfin, j'achèterai à chaque fois, peut-être pas tout le temps, parce que c'est vrai que celle d'Yves Rocher est quand même vachement bien et que je l'aime énormément et que je m'y suis entre guillemets un peu attachée. Mais voilà, si elle est pas chère, je pense que je prendrai celle-là au moins deux fois. Après, peau déshydratée. Bon, moi ma peau est pas forcément déshydratée, mais j'adore quand même m'hydrater la peau parce que je trouve ça cool. Là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais me mettre en pyjama et je vais aller avec mes parents parce qu'on va regarder La Casa de Papel. Moi personnellement, j'ai déjà vu La Casa de Papel, mais du coup, je me dis, je vais la regarder avec mes parents, ça va me faire regarder un film avec mes parents. Donc, sinon, pendant que je vais me mettre en pyjama, je vais me mettre comme ça. Vous allez voir ma tête. Je vais mettre plutôt comme ça. Ouais, c'est mieux. Vous allez voir ma tête et je vais discuter avec vous du travail que j'ai fait aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. J'ai. Au niveau du travail YouTube. J'ai fait pas mal de choses. J'ai tout trié mon classeur. J'ai fait des petites cases pour le nombre de vues par date. Donc en fait, par exemple, j'ai mis la date d'aujourd'hui. J'ai mis le nombre de vues qu'aujourd'hui j'avais sur chaque vidéo, en fait. Et par exemple, dans un mois, je reviendrai, je re-regarderai, je renoterai. Et je vais faire ça chaque mois. Donc là, c'était le premier mois où je testais de faire comme ça. Et du coup, j'ai décidé de continuer à faire comme ça. Alors, ensuite, j'ai aussi noté
J'ai aussi noté. Chaque vidéo, elle datait de combien de temps? Voilà. J'ai fait ça à des journées différentes, du coup, parce que forcément, bah, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai mis un peu de fluo sur chaque truc. Voilà. Et puis voilà, donc là je suis habillée pour ma nuit. J'ai mon petit haut, j'ai mon petit short. Voilà, je ne me fais pas de masque ce soir parce que le soir je n'aime pas trop me faire des masques. Enfin, si, je m'en fais quelques fois. Mais là aujourd'hui j'ai pas trop envie. Donc je vais juste venir baisser ma chaise. Voilà, je vais la ranger. Je vais aller avec mes parents du coup. Je vais jouer un peu le temps qu'ils mettent la case des papels. Et. Je vous dis à demain pour un prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Allez en barre d'infos. Bref, bisous tout le monde.